Ah, c'est vous, m'avait-elle dit. Le visage illuminé d'un sourire étrange, extravagant, comme si elle venait de me reconnaître, que nous nous retrouvions après un long temps, qu'elle avait oublié ma présence à ses côtés quelques instants plus tôt, alors que nous déambulions dans les salons déserts du musée du Belvédère et que rien ne s'était apparemment passé, ou presque. Nous n'avions échangé que peu de mots, son intérêt pour les œuvres m'avait paru distant, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans la pièce où donnait soudain le soleil avec sur toute la largeur du mur l'enlacement de Chine. Et je l'avais vue alors s'immobiliser devant le tableau, avancer de quelques pas vers la fenêtre et s'écrouler d'un coup sans plus de bruit qu'un tissu qui s'efface. Un éblouissement, dirait-elle plus tard. Sans préciser si ce fut le tableau de Chine ou simplement la lumière, l'irruption brutale de la lumière qu'il avait émis. Le jour d'un éblouissement, dirait-elle encore, aime en nommer ainsi les choses, pour moi et pour elle, dans cette intimité secrète dont ce malaise devait être l'événement inaugural. Et je me souviens qu'elle avait ouvert les yeux presque tout de suite, acceptant mon aide et celle du gardien pour se relever, faire quelques pas titubants, puis s'affaler sur la banquette de cuir au centre de la salle voisine. Et c'est alors que je me penchai vers elle pour glisser un vêtement sous sa tête qu'elle m'avait adressé un regard long, fixe et incroyablement profond, avant que le sourire extravagant s'accroche à ses lèvres et qu'elle laisse échapper dans un souffle. Ah, c'est bon.